voudrais, en tant que président du conseil départemental, d'abord avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, celles et ceux qui sont à la recherche d'un travail, celles et ceux qui sont isolés dans une société qui est difficile dans ses relations et qui exige aussi plus de proximité, plus de fraternité. Parce que la fonction principale, le cœur de métier, si j'ose dire, du conseil départemental, c'est la solidarité. Solidarité des personnes, solidarité des territoires, solidarité des générations. La solidarité des personnes, c'est beaucoup de choses. C'est vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des personnes handicapées, vis-à-vis de l'enfance. Et nous souhaitons cette année avoir une action très forte en direction de l'enfance. Mais c'est aussi la solidarité vers celles et ceux qui souffrent. Et je pense en particulier à toutes ces femmes qui sont victimes de violences. Nous avons une action au niveau du conseil départemental. Je souhaite que nous puissions aller plus loin dans cette action. En 2020, la solidarité des territoires, ça va être essentiellement une action concrète que nous avons décidée, qui est l'offre de santé sur les territoires. Nos territoires, le département depuis de n'y échappe pas, souffrent d'une absence de services de santé. C'est vrai en zone rurale, c'est vrai en zone urbaine, pour les médecins généralistes en particulier. Et notre action vise justement à permettre de couvrir ces besoins par des médecins que nous allons embaucher, avec lesquels nous allons travailler, qui pourront s'installer par la suite. C'est une action phare du département. Alors, solidarité des générations, pour la définir, je reprendrai une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la génération actuelle, les générations actuelles qui vivent sur cette terre, lorsqu'elles ont leur activité professionnelle, leur vie domestique, leur vie familiale, eh bien, à chaque geste, elles doivent penser que nous devons laisser notre planète en bon état pour les générations qui viennent. C'est ça la solidarité, et c'est toute l'action que nous menons en matière d'environnement. Pour 2020, et je dirais pour les 10 années qui viennent, le Conseil départemental s'engage sur la transition écologique. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience de l'urgence. Le département doit être exemplaire. Mais au-delà des mots, sur des réalités concrètes, nous le faisons déjà avec les politiques de l'eau, nous allons plus loin. Nous le faisons à travers les politiques des circuits courts, nous irons encore plus loin. Bref, il y a toute une série de domaines dans lesquels nous devons agir ensemble. Précisément, pour prendre un exemple, nous allons vers un budget participatif. C'est un budget qui permet aux citoyens, entre deux élections, parce que nous sommes dans une élection, un mode d'élection représentatif, mais entre les élections, il faut bien que les citoyens continuent à participer à la vie de la société, qu'ils opèrent des choix à partir d'une enveloppe que nous avons fixée à 2 millions d'euros sur l'ensemble des territoires qui permettra à nos compatriotes de dire voilà ce qui nous paraît important en termes d'investissement pour aller vers cette transition écologique. Écoutez, ce que je souhaite pour 2020, c'est quelque chose que j'ai déjà souhaité d'autres années, c'est aller vers plus de fraternité. Je crois que notre société a besoin de plus de dialogue. Et pour y aller, il faut que nous améliorions encore la proximité, cette proximité qui est une voie ouverte vers le dialogue et la fraternité. Très bonne année 2020 à vous toutes et à vous tous.